Ok. Bienvenue déjà, bienvenue à tous ceux qui attendent la préparation depuis tellement longtemps et aussi bienvenue à ceux qui vont découvrir la chaîne avec cette série. On va transformer mon KTM 500 EXCF de 2019 en super motard. Donc regardez-le bien une dernière fois parce qu'il va plus du tout ressembler à ça. J'ai passé des mois à choisir chaque pièce, j'ai vraiment été dans le détail, la déco, le carbone et aujourd'hui il est temps de monter tout ça. Les pièces ne sont pas encore arrivées, ça devrait plus tarder, j'attends une livraison. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts parce qu'ils sont pas là pour rigoler. Le défi, c'est de partir d'une moto totalement d'origine et de la rendre unique. Au départ, on a un enduro et on va arriver à un monstre sur route, un super motard. J'espère que vous êtes prêts parce que j'ai encore jamais fait une préparation qui allait aussi loin. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, préparez-vous à accueillir les plus grands experts de la préparation, les plus talentueux du milieu et les plus branleurs du secteur. C'est pas de la moto, c'est du supermote. J'ai l'honneur de vous présenter Fennec, le bouffeur de Schneck. Dino, le pilote de tondeuse. Et Milikika, la petite bite. Je savais que vous n'étiez pas prêts. Je savais que une livraison comme ça, j'ai tellement attendu ce moment. Les jantes Alpina, le système de freinage complet Behringer. Le FMF, de l'anneau disé, du carbone, la selle. Enfin, j'ai plein de choses à vous montrer et vous allez encore découvrir plein de pièces au fur et à mesure qu'on va les monter. Mais avant de monter les premières pièces, même si on pourrait croire que la moto est propre comme ça, elle a quand même fait de l'enduro, elle a pris de la terre. Donc ce qu'on va faire, on va démonter tous les carénages, on la nettoie proprement et après on va pouvoir passer à la suite. Donc voilà pourquoi je vous disais, t'as l'impression que la moto elle est propre, mais pas du tout. La terre, l'eau, la boue, ça s'incruste partout. Tu te dis que la moto elle a 3-4 mois et tu vois que les plastiques blancs, bah, ils le sont plus du tout. Bon après je dis pas, hein, je l'utilise pas à moitié la moto. En enduro forcément, ça prend cher. Aïe aïe aïe! Vas-y, rentre! Voilà! Bah nickel, regarde, on a fait une intro. Un truc de ouf. On a passé toute l'après-midi à faire l'intro. C'est pas vrai. On a passé... Là, je pense qu'en vidéo, ça rend 2-3 minutes, tu vois. Mais on a passé toute l'après-midi à faire l'intro.
voilà, casquette. Donc on a tout enlevé, le seul truc auquel on fait vraiment gaffe, à chaque fois qu'on enlève une vis, petit conseil, remettez-la direct, même si vous n'avez pas le carénage, vous la remettez dessus, vu que la préparation prend du temps, après tu te rappelles plus quelle vis t'as utilisé, et c'est le bordel. On a tout, on est prêt à nettoyer la moto, il nous manque un seul truc, la pièce maîtresse de l'équipe, Nico, toujours en retard, comme d'hab. On a déjà démonté quasiment tous les carénages. Ouais. Et là, on attaque le nettoyage, donc on va avoir besoin de toi si tu veux. J'ai besoin de moi là aujourd'hui là. Oui, Nico, c'est aujourd'hui la transformation. Mais genre à ce jour, à l'instant T là, mais parce que je crois qu'on s'était pas très bien compris du coup sur la programmation horaire des interventions. Ce qui est bizarre, Nico, quand même, c'est qu'on arrive tous à se mettre d'accord sur l'horaire, sauf toi. Oui. Si moi je suis pas d'accord, c'est qu'on n'est pas tous d'accord. Bon, bah écoute, c'est bien, je vois que moi j'étais là pour ton épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh là là, il fait le susceptible. Non, bah c'est bien. Il y a Bitume, il y a Jojo, Elsass Bitume, mon petit frère, bref, il y a tout le monde. On a encore beaucoup de taf. Épisode 2, t'es là? Ouais, épisode 2, en forme, bien présent. Vas-y. Moto propre, les carénages qu'on remontera dans l'épisode 2 sont aussi tout propres. Même si vous ne faites pas une préparation, une transformation, de temps en temps, enlevez tous les carénages, tout ce que vous pouvez pour nettoyer, ça fait vraiment du bien à la moto. Et c'est maintenant qu'on passe aux choses sérieuses, donc on démonte la jante avant, le système de freinage complet, la jante arrière et le pot. Quand je vous dis que ça devient sérieux, les Alpina, magnifique. T'as même le certificat de... C'est quoi le certificat contrôle qualité? Comme ça, t'es sûr, ça a été contrôlé. Maintenant qu'on va pouvoir commencer à monter les premières pièces, donc on va commencer par les jantes. Donc on récupère les jantes, on installe les disques et la couronne à l'arrière et on monte tout ça. Le disque Behringer, juste magnifique. Donc on récupère nos vis d'origine, de la Loctite surtout, important, mettez-la toujours. Tu mets ça un peu sur tes vis, ça se met dans le pas de vis et ça va agir vraiment comme de la colle. C'est très très important, surtout pour le disque à l'avant. Il y a des grosses contraintes, donc surtout pas oublier. Pour une fois, on va être professionnel, on va serrer exactement comme il faut. Nickel. Ça, c'est du travail d'équipe. Ça, c'est beau, ça. Bon, c'est clair que, à part mettre la moto en pièces, pour l'instant, on n'a pas fait grand chose. Mais c'est ça aussi le plaisir de la prépa Supermode. Ça commence par des soirées passées sur internet pour voir exactement ce que tu vas mettre comme pièce. Et quand tu vois le prix des pièces,
t'as vraiment intérêt à faire attention à ce que tu commandes. Faut absolument que ce soit compatible avec ta moto. Donc le plaisir, c'est pas juste d'avoir ta moto terminée comme une moto que tu irais chercher au garage. Le plaisir, il passe vraiment par toutes les étapes, le choix des pièces, le montage des pièces. Là, la moto, c'est sûr, pour l'instant, ça ressemble à pas grand-chose, mais c'est ça notre kiff. C'est de passer du temps sur ta moto et après, une fois qu'elle est prête et que tu as monté toutes les pièces, t'y es attaché, mais vraiment comme jamais. On continue à avancer dans la transformation parce que j'ai qu'une envie, c'est de voir à quoi elle va ressembler une fois terminée. Je peux te faire confiance? Tu continues? Ouais, vas-y. Je peux te faire confiance? Ouais, vas-y. T'es sûr de toi, là? Ouais. Arthur, t'es sûr de toi? C'est quelle jante que t'as dans la main? Ah, mais c'est là parce que... Wow. Fais un truc. Attends. Réponds là. Je t'en zoom. Ah mais je crois qu'il manque le pneu là. Oh putain. Récupère l'entretoise d'origine et l'entretoise là, on va pouvoir la monter sur la jante toute neuve. En fait, quand vous recevez vos jantes d'origine, c'est très très rare que les entretoises qui sont livrées avec s'adaptent sur votre moto. On voit que l'entretoise sur la jante toute neuve, elle est beaucoup plus grande que l'entretoise d'origine. Et ce qui est ouf avec les pièces là, c'est que tu as l'impression que c'est un petit truc, pas très important, mais ça pose souvent souci. Tu as tellement de diamètres, de tailles différentes que sur certaines marques, ça peut être vraiment galère de trouver la bonne. Maintenant qu'on a mis le pneu en place, il va falloir le coller aux parois. Et pour ça, on a la technique ultime, attention! On a enfin nos jantes qui sont totalement prêtes, donc on a monté des Michelin Supermoto. C'est des pneus slick. La grosse particularité, c'est qu'ils mettent vraiment du temps à chauffer. Mais une fois qu'ils sont chauds, j'ai jamais vu un grip pareil, c'est incomparable avec tous les autres pneus. Le grand disque qu'on a à l'avant, en plus de l'étrier et du mètre cylindre qu'on va rajouter après, ça va nous apporter un freinage qui a absolument rien à voir. À l'arrière, j'ai aussi changé le disque, donc c'est un Motomaster. Bon, je vous avoue que ça va pas changer grand chose, là c'était juste pour le style. La couronne, c'est une 42 dents, donc elle est vraiment beaucoup plus petite que l'origine. Ça va me permettre d'avoir une meilleure vitesse de pointe. Maintenant qu'on est prêt à monter les jantes, juste avant, j'ai trop envie, on va d'abord monter le FMF, les premières pièces anodisées et les protections de brossillant. Ça commence à prendre forme tout doucement, mais c'est vrai que c'est énormément de travail. Et encore, il y a plein de trucs, je vous les ai même pas encore montrés. Ce qu'on va faire pour les suspensions, pour la déco, pour la selle, plus toutes les pièces qui sont ici et qui nous restent encore à monter. Mais malheureusement, ce sera pour le prochain épisode. Je demande jamais, mais j'ai vraiment envie de savoir si ça t'a plu. Tu peux liker la vidéo si t'as aimé et abonne-toi pour pas louper la suite. Les suites Supermode qu'on porte dans la vidéo sont disponibles sur mon site, kikaninac.fr. Merci à Elsass Bitume pour votre aide les gars. Je vous mets le lien de leur chaîne, ils font de la piste et ça déchire. Merci à tous pour votre soutien.